Il s'appelle Hadar Goldin, il a 23 ans et est lieutenant dans l'armée israélienne. Des combattants palestiniens l'ont enlevé dans le sud de la bande de Gaza ce vendredi. Il a probablement été capturé lors de la même opération qui a conduit à la mort de deux autres soldats israéliens. Son père, habitant près de Tel Aviv, a rapidement réagi. Nous avons la certitude que l'armée ne s'arrêtera en aucune manière et qu'elle remuera ciel et terre pour ramener Hadar sain et sauf chez lui, a-t-il déclaré. Le secrétaire d'État américain John Kerry a aussitôt appelé la Turquie et le Qatar à user de leur influence pour obtenir la libération d'Hadar Goldin. Il a aussi rendu le Hamas responsable de la rupture de la trêve qui était censée durer 3 jours.